Et salut YouTube, de retour bien sûr sur Elden Ring. Alors que Saruman est parti pour se faire 200 balles. On se retrouve chez la suite de Farum Azula. Ça tombe bien, moi je suis un peu enrhumé aussi. Alors attendez, parce que je me rends compte que j'ai jamais relancé le truc là depuis tout à l'heure. Voilà. Wow! On est mort? Non. Monsieur, faut se calmer. On a un intro YouTube, nous, hein. On était pas en mode règlement de compte, là, hein. Oh. Bon. Ce jeu est exceptionnel, hein. Putain, la musique, le level design. Putain, ça mériterait. Pff, en même temps, qu'est-ce qu'on va monter comme arme? J'avoue que toutes ces pierres de forge, ça me donne envie de. Et puis surtout, on a récupéré la perle cinéaire qui nous permet. Après. De trouver, d'acheter toutes les perles qu'on pouvait pas acheter jusqu'à présent. Aïe. Ouf. Oh, on l'a pas respecté. On s'est fait sanctionner. Mais ouais, j'ai tellement l'habitude de faire des d'interrupts, de faire des dégâts de posture que du coup, avec les. Du coup, je joue mal. Je me dis que ça va arriver, mais ça n'arrive jamais avec. Non, attendez, parce que du coup, ça veut dire qu'il y en a deux comme ça d'affilée. Ok, c'est devenu les gars lambda d'ici. Ah ouais, il y en a partout. Ok. Merde. Ouf. Oh, les skis sont tous. Oh, ce qu'on a pris. Non, mais calmez-vous, messieurs, là. Allez, du coup, on a perdu toutes nos âmes. Bon, en même temps, quand je vous dis, c'est pas bien grave, hein, mais... Bon, ça fait toujours chier, quoi. S'arrêter au bout d'un moment. Putain, c'est terrible parce que. Ouh, cette attaque là, elle interrupte bien là. C'est bien chiant. C'est bien chiant. Bon, en vrai, vas-y, on va prendre ça. Non, j'ai plus le flamme protège-moi. Bon. La flemme de resetup mes sorts et tout ça, on va quand même y aller. Je préfère les gardes qui sont morts. C'est pas contre eux, hein, mais ça impose moins de soucis en garde mort. Ah mais non, je croyais qu'il y avait une corniche. Alors que pas du tout. Pas de corniche. Go proto. Ouais, mais je me vais être obligé de nettoyer, hein.
c'était pas une mauvaise idée. Putain, le bruit du... Oh, le sound design, once again, hein. Once again. Ok. C'est un peu risqué quand même, hein. Vous savez jouer comme ça, mais... Bon, est-ce que vraiment on attend qu'il ait terminé sa ronde? J'avoue que bon, c'est un peu chiant d'attendre, j'ai presque envie de le faire défoncer avant, mais... Ok, et là il y a un boss. Mais vous voulez pas looter du loot là, putain? Putain, là, Claude. Claude le loot, quoi, bordel. Ok, du coup. Bon, j'aurais pu drop. J'aurais pu drop, mais je me dis, si on continue, on va finir par trouver un truc qui va nous emmener à... au même endroit, non? Putain, mais du coup, l'XP de cette zone est pas ouf, quoi. Je pense qu'ils considèrent que, ouais, en fait, on a vraiment commencé par la fin, quoi. Je pense que la manière dont t'as fait... Saruman le jeu est plus comme le... comme c'est pensé par les devs, quoi. C'est là, on voit bien que c'est pas une zone à farm, quoi, tu vois. Genre que ce soit la zone de Malenia qu'on a fait avant les VOD pour checker un peu tout ce qu'on avait raté, et la zone de Mog, du palais Mogwin, c'est n'importe quoi en termes d'XP par rapport à cette zone. Et voilà! Quand même! Putain! Moi, j'aimerais bien votre armure et tout ça, là, aussi, là. Quand même, Gilles! Gilles le loot! Je peux m'en empêcher. C'est terrible, en plus. Wouah! Putain, j'avoue. Oh, oh, attendez, attendez, je vais essayer de me concentrer. Très mauvais choix. Très mauvais choix du joueur français. Il décide de se heal alors que... Oh bordel. Tant pis. Oh là 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 là. Dame girl? Ah, oh, putain, le nez qui gratte en plus. Je
sais plus où est-ce que je dois. Et du coup, ouais. Et du coup, ouais, c'est bien ce que je disais. Genre, l'étage du dessus, là, on n'a jamais compris, quoi. Hein. Attendez, parce que c'était le seul chemin. What the fuck? What the fuck? Mais non, c'est pas le seul chemin. Ah! Bah, vous savez ce que je pense des duos. Hein. Combat en duo. Hein. En plus, on n'a plus aucune ressource à Ethereum. Bon, très très mauvais choix hein, sur la boss. Hein, mais c'est... très très mauvais choix. Hein. Ok, non, mais c'est parti pour un... Mais ils sont loin, genre on respawn pas au boss en plus. Oh là 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 là... Juste le trajet qui va nous coûter en ressources à cause de... Ah mais... Ah, d'accord, mais en fait c'était la première salle que j'ai jamais visitée, quoi. D'accord. Ah d'accord. Mais... Comment ça? Cette histoire, est-ce que vous êtes vous rendez compte de ce qui est que l'histoire qui est en train de faire ma tournée, ça? Bon, ça va, on s'en est bien sorti, in fine, mais. On a suivi là quand même. Non, mais pourquoi on peut pas rentrer? Et genre après c'est même pas ici l'entrée? Tendu du slip, hein, cette histoire-là. Comment, par où on rentre? Par où on est rentré tout à l'heure, si c'était pas par là? Ouais, ça va être chiant, cette histoire. En vrai, on n'est pas obligé de se faire, du coup. Mais c'est chiant là, hein. Je reconnais ça. Ah, Jean-Michel, c'est chiant cette histoire là. C'est chiant. Perdre toutes nos ressources, ça, sur des chevaliers de merde, non. En vrai, ouais, non, en vrai, eux, ils sont résistants, hein. Alors, attendez, mais... C'est très chiant. Même c'est qu'avec mon sens d'orientation, je suis même pas capable de me souvenir où est-ce qu'on les a affrontés. Donc, on est descendu, du coup. Donc, du coup, on n'avait pas besoin de les affronter, eux. Terrible nouvelle. Non mais si on descend... Non mais si... Ah c'est quoi mais... Ah oui donc il faut descendre direct, ok. S'occupe de lui, vas-y, je vais m'occuper de l'autre. Ouais, super.
Ça commence bien. Je connais moins bien ses patterns à lui. Non mais au bout d'un moment, choisis ton... Bon, ça m'arrange. Choisis ton fighter là aussi là. Hey. Du coup, je pensais qu'il me laisserait. Ok, là c'est le moment où on pousse le heal. Parce que le pilier, heal. Ah non! T'es en P2? What the fuck? Déjà? Ah mais pourquoi? Attendez, mais pourquoi il a une barre de vie? Alors que... Qu'est-ce que... Mon poteau est mort. Ça va être compliqué ça. Hey. Oh putain mais... Ok, mourons aussi. Attendez, mais qu'est-ce que je comprends? Ah, mais... Ah, mais parce que... C'est... Oui, parce qu'ils ont une vie partagée, en fait. Ok, je comprends. Je comprends. Bon, par contre... On va revenir sur les vrais bails, quoi. Là... Il est temps de ressortir ce pourquoi on est pété quoi. Donc en soi, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la meilleure arme en seconde arme? Donc on a... si j'ai retrouvé un moment, bien sûr. Donc voilà, là, 240-131, 240-207. Ok. Ah bah voilà. C'est vite vu. D'accord. Plus eux, ils sont pas sensibles, ils sont sensibles au feu. Donc comment on fait pour redescendre direct? Non mais on n'est pas intéressé. C'est par là. Pas intéressé, on n'est pas intéressé. Ça c'est du start. Voilà. Toi là. Donc. Voilà. Bon, mais pourquoi ils sont encore mis vie? Quoi? Quoi?
Bon, on est d'accord. Bon, on est. Du coup, on a dû les affronter combien? 4 fois? Bon, on est un peu pété là, oui, j'avoue là. Je pense que ça m'aurait pas amusé. Alors, ça m'aurait pas amusé. Donc. Je préférais voilà, mettre fin à toutes ces histoires là. Ok. 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 Donc, ouais. Ah oui, on disait intelligence. Du coup, en plus, on met un point qui nous up pas. C'est pas trop mal, on va dire. Donc là. Ah mais il y avait plusieurs entrées du coup possibles. Quoi mais il y a aussi un feu ici. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il y aura un feu ici? C'est bizarre cette histoire là. Qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a deux feux là. Qu'est-ce que. C'est une autre possibilité d'entrée? Oh, je comprends rien. Hein. Donc nous, attends, on est arrivé par là. Ouais. Donc oui, ça, on l'avait fait déjà. Oh, je comprends rien. Attendez, mais what the fuck? Pourquoi je comprends rien? Ah mais... Est-ce qu'on est là où je pense du coup? Ah! J'irais même plus... Ah! On est même pas. Putain, je comprends rien. Je comprends rien pourquoi il y a deux feux. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cet endroit en fait? Parce que, et en effet, donc, du coup, j'imagine que s'il y a ce feu, c'est pour que t'aies un feu pour faire le boss. Mais quel est cet endroit? Du coup. Je comprends rien. Hein. Donc au final, j'aurais bien pas bien compris à quoi servaient ces statuettes là, mais bon. Bon, j'ai complètement arrêté de les activer parce que j'avais pas compris à quoi elles servaient. Non, je continue à les réactiver. Et là. Plein de trucs que je comprends pas, mais donc du coup quel est l'intérêt de drop? Voilà. Ah
Voilà. C'est pas même si c'est tranquille, moi qui prends l'initiative. Non mais... Non mais attendez, mais pourquoi je comprends rien? C'est fait. C'est chiant ça. Mourez monsieur. Déclarer ça chiant. J'aime quand on me fait pas chier quoi. Ok. Ok, 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 ok. Trop de chemin possible et imaginable. Ok, petit objet, on se met bien. Là-haut, là. Pff, oh non, mais. Le bon vieux misclic. Là, c'est terrible, puisque moi, mon cerveau... Déjà, je vous dis, hein, le sens d'intention dans les jeux vidéo, c'est compliqué. Alors là, c'est très compliqué, quoi. Ce level design n'est pas évident, quoi, à saisir. Putain, il m'attaque avec des batoirangs aussi là. Donc ça impose le respect quoi. Le bat barbu quoi. Ok, donc on va essayer de pas mourir cette fois. Le bat barbichette. Alors, si on pouvait éviter de... Ok. Toujours assurer son saut par un us, hein, ça met bien. Clac clac clac, donc là il reste pas grand chose, on passe par ici. Sachant qu'on a raté un chemin déjà. Enfin, on a pris. Il y a un autre chemin à prendre déjà. Au revoir monsieur. Clac clac clac. Pierre forge 7, on se met bien. Bon, attendez. Oh là là, le problème, c'est que... J'ai envie d'aller faire un tour en WC, mais bon... J'ai pas non plus envie de m'arrêter en plein milieu. Tant que t'es pas un feu, t'es pas à l'abri dans ce jeu, quoi. Donc si je m'en... Tant que je peux toujours me retenir. Mais j'ai très envie... C'est pour revenir, bon après c'est pas grave si on est mort quoi, mais quand même. J'arrive, attends, j'arrive. Enfin j'espère. Hey. Voilà, je suis là. J'avais dit.
Oh, ça nous met bien, ça nous met bien cette zone, ça nous met bien. Ok. Donc ça, c'est un ascenseur, quoi. D'accord, donc on a dépensé une clé de lame pour un ascenseur, pourquoi pas. Pourquoi pas, et là, ça nous amène où, du coup? Est-ce que c'est un raccourci qu'on a débloqué, ou... Ça va nous emmener dans une autre portion de map. Autre portion de map, principalement. Hein. Ok, bon, ben là... Là, c'est bon. Et re YouTube, hein, re pour le retour de cette VOD. Voilà, je me suis allé au WC, je me suis cherché un truc à grignoter. On va pouvoir reprendre. Comme si de rien n'était. Putain! Je vais vous dire un truc qui me tracasse. Bon, ça me tracasse, ça va, je vis avec, hein, mais. Genre. Là, si vous voulez, j'ai toujours été un fan de viennoiserie. Une bonne journée passée pour moi par une boulangerie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Le truc, c'est que, bon, en tant que bon geek que je suis, vu que je sors pas. Et surtout, vu que les bonnes boulangeries de mon coin ont toutes fermé. Bah, ça m'est passé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si je veux aller à une bande boulangerie, bon, je sais que ça existe, mais bon, c'est loin, donc du coup, c'est... j'y vais pas. Je veux dire par là. Les viennoiseries, tout ça, c'est un truc, ok? Mais genre, je trouve que c'est de plus en plus difficile d'en discuter avec un pote, il était d'accord avec moi. Je trouve que c'est de plus en plus difficile de juste trouver du bon pain. Et là, par exemple, je suis en train de manger mon sandwich. Avec un pain, il est pas ouf, quoi. Alors, honnêtement, il est quand même meilleur que... Vu que c'est pas moi qui achète le pain, bon, je me plains pas trop, même si... voilà. Même si je vous le dis. Et j'ai mangé des pains encore plus terribles que ça, donc celui-là, ça passe, mais même celui-là, il est pas ouf, quoi. Et ça me bute, ça. C'est quand même censé être une spécialité française. Et les spécialités françaises est en train de disparaître complètement, j'ai l'impression, quoi. Alors bon, j'imagine que le problème doit être doit moins exister dans les grandes villes. Mais bon, c'est pas non plus, j'habite je veux dire, c'est une ville avec 50 000 habitants, quoi. C'est pas non plus, c'est pas un petit village, quoi. Oh putain, je suis mauvais. Bon, bref, le bon pain, c'est, ça se fait de plus en plus rare et je trouve ça terrible, quoi. Du coup, j'en discutais avec un pote qui est parti en Belgique et du coup, il était d'accord avec moi et il me disait, mais en vrai, à tel point que c'est vrai que il me disait, je trouve qu'il y a du meilleur pain en Belgique maintenant que en France, quoi. C'est terrible. Parce que c'est pas les Marie Blachère et tout ça, là, qui relèvent le niveau, quoi. Et toutes ces boulangeries de attends, il faut que je répartisse, mais... Et toutes ces boulangeries d'enseignes, là. Hein. C'est pareil, genre. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc où tu dis et c'est particulièrement mauvais, mais c'est assez fade en fait. Tout est assez fade en fait. Oh, bon, peut-être que je suis un peu difficile. Mais. Je trouve que c'est quand même une constante, quoi. Je vais utiliser beaucoup la mana, je vais mettre beaucoup de mana.
Et qu'on galère là. Je m'a joué, je dis qu'on galère, mais. Je veux dire, c'est qu'on va spammer, quoi. Ah oui, merde. C'est vrai. J'ai oublié la problématique. Donc en fait, la problématique, c'est que les gars qui sont chiants, c'est pas ceux qui sont... C'est ceux qui se lèvent après. J'avais eu l'impression que quand je l'ai buté avec des trucs sacrés, elle se relevait pas. On va tester. Toujours est-il que c'est clair qu'il faut aller au corps à corps. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se relèvent pas. Donc quand tu fais une tape avec une arme sacrée, ça se relève pas. Ok. Vérifier, oui, ça a l'air d'être bon. Ok. Je vais pas relancer, mais je suis débile. Je suis débile, ça joue mal. Mais ouais, c'est quand même pratique de pas, quand ils sont beaucoup là comme ça, de pas avoir à faire le final, le coup final là au sol là. C'est quand même pratique. Bon après par contre je perds un de mes principales DPS quoi. Donc, je sais pas si j'y gagne mais on va essayer de la jouer comme ça. Voilà, hop. On est mauvais aussi là. Le problème c'est que si on joue avec cette arme, du coup notre répartition de trucs est plus très bonne quoi. C'est bien, ça fonctionne bien. Allez, restez mort. On vous apprécie comme ça. Oh ouais.
Au pire, je pourrais me heal. Ah, mais si vous descendez pas, moi ça m'arrange. Hein. Je tiens pas forcément à vous affronter. Ah ouais, mais... Ah. Merde, putain. Juste de jouer avec deux armes, du coup j'appuie sur L1. Il se passe rien quoi. Bon, on va y aller comme ça. C'est bon. Ok. On va se préserver. Donc là, ça fait la jonction. D'accord qu'on n'a rien raté ici. Bon, on verra après. Oh là, ce jeu est magnifique. Hein. Once again, hein. Bonjour Michel, là. Voilà. Ah. Forcément. Bon, y en a d'autres qui en veulent, là? Hein? Ok, c'était tout. C'était tout. Très bien. Je suis presque un peu déçu. Invoqué juste pour ça, quoi. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Où te caches-tu, petit bousier? Ok, il est là. Non, mais pas comme ça, pas comme ça. Oh, mon Dieu. Dis non. On est mort. Je crois pas que je suis allé là parce que j'ai vu un bousier, quoi. Bon, après, il avait l'air de m'avoir donné un truc intéressant, quoi. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'était, ce truc intéressant? Putain, je suis pas allé me chercher de l'eau. Je suis un peu deg. Là, bon, on n'a pas besoin de la nomme. Qu'est-ce qu'on a looté? Je ne saurais pas dire. Peut-être ça. Hein. Où ça?
J'ai l'impression que c'est ça. Après, est-ce que... oui. Parce que face à des trucs, c'est pas ce dont on a besoin, quoi. Bon, est-ce qu'on se tenterait pas le speedrun, là, parce que, bon... un peu marre de... devoir nettoyer toute la zone. Ouf, ah ouais, sauf que là... oh, ça c'est de l'opti. Oh fuck. Ok. Ok, ok. Comment ça, lui, il nous a pas fait chier tout à l'heure? C'est bizarre, toi. On a vraiment envie de défoncer. Est-ce que... j'espère qu'il y a un bénéfice à faire ça. Bon, okay. Là, je pense qu'on est mort. Pas mort, c'est beau. C'est pas brûlé. Ouf. Allez. Allez, dis-moi qu'il y a une récompense autre que de l'XP. Vas-y là, putain. Je déteste ma vie. Ok, bon ben on l'a fait, mais pff, chiant quoi. Hein. Dire tout ça pour ça, quoi. Ok. C'est satisfaisant hein, quand tu peux bien attaquer par surprise ces putains de chiens de l'enfer. Là, la satisfaction est réelle.
Par contre, pourquoi j'ai l'impression que oui, si. Hein. Là, on peut drop aussi. Alors, le drop a l'air dangereux. Par contre. Par contre, on peut. Excusez-moi. On peut sans doute. Voilà, elle est sur les toits là, ici. Est-ce intéressant? Bon, on va répondre dans quelques instants. Ah, mais si, oui, voilà, c'est complètement ce qu'on cherchait à faire depuis tout à l'heure, en fait, voilà. Putain, du coup, on a vraiment bien fait de pas trop se... Oh, c'est Alexander? Oh, mais oui, ma vie. Oh là là, mais oui, exceptionnel, putain, Alexander! Mais oui! Ah, I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, you're certainly a force to be reckoned with, eh? I doubt there's a single soul who could have handled that giant other than you. It was practically a god. Of course, I count myself, the great Alexander, among many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. Oh non! Ouais, on va te buter là du coup? Oh non, pas ça! Ready then, I take it. Then let us begin. I am the great Jar Warrior. Alexander! As I suspected, victory was impossible. This vessel was found lacking. Tu t'es bien donné. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath. From inside. Non mais non, mais putain. Vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior till his last. Oh non, Alexander, putain. Oh, on n'a pas le droit au bonheur dans ce jeu, putain, on a buté un de mes personnages favoris, quoi. Je pouvais pas, voilà, le mec il voulait mourir sous ma lame. Non, c'était pas le projet, mais il se fait gagner quand même, mais bon. Parce que du coup, on est trop par rapport à ce que je voulais faire, moi, nous. Il faudrait qu'on retourne au village des... Ah, mais on voit de l'eau, là. Il se passe des trucs en dessous, est-ce qu'on... Ah, oh, trop de trucs. Est-ce qu'on commence par aller en haut? Imaginons
Alors après, on pourra courir facilement ici, je me dis. On va descendre. Ah mais oui, mais c'était le fameux gars qui me tirait dessus. Ah mais on a bien fait, mais voilà, c'est ça qu'on recherchait depuis le début. Donc tout va bien. Et du coup là si on descend. Ah mais c'est que là, de toute façon on est bloqué, donc autant descendre quoi. Oh! Oh, damn! Essayez vue télescopique. Plus la vue télescopique équipée. Non, ouais, on voit. Bah, je sais pas trop ce qu'on voit là. Hein. Je sais pas trop ce qu'on est censé voir. Hein. Attendez. Là, je vise la tour divine, ouais. Là, il y a une autre tour divine, là, visiblement, là, que je vise. Oui, c'est celle-là, celle de Khalid, ok. Donc, du coup, là, je vois le sanctuaire bestial, en fait. Au milieu. Ça a l'air d'être ça. Rassuré. Mais on est baisé là. C'est-à-dire qu'il y a un autre chemin censé nous amener à... Et là en face là. C'est nous amener là. Pas sûr de comprendre ce qu'on doit faire ici, quoi. Mmh, ça a l'air plus pour... Très très utile. Et donc là, qu'est-ce que ça dit là? Chercher haut. Ouais, parce que du coup, ouais, c'est ça, c'est si on vient de... D'accord, donc un autre chemin qui permet d'accéder ici, qui aurait pu permettre d'accéder ici. D'accord, mais sauf que bon, nous on est bloqué là. Hein.
Du coup, je sais pas, je suis complètement perdu. Non. Ça sort du temple des dragons, voilà. Et donc, du coup, il nous reste un chemin qu'on n'a pas fait ici. Donc oui, donc le chemin... Non, effectivement, là où j'étais tout à l'heure, c'est pas un drop possible, quoi. Oh, attendez. Ok. Mettons un petit nain, on a mal. Ok. Et donc là. Donc le truc, c'est que je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un drop possible ? Bon, faudra faire attention ici. Hein. Ah ouais, mais pour aller où, quoi? Oh, ça paraît pas ouf comme idée. Ok, ok. Il va faire très attention au chien. Ok. On y va, du coup. Voilà. À moins que... On va pas se retaper le dragon. Putain, c'est un putain de trash mob, quoi, le dragon, quoi. Encore une fois. On se victime par des putains de trash mob, quoi. Alors je drop ici, mais j'ai peur de dropper ici que... Non, oui, non, ici on sait où c'est en fait. Si je comprends bien. Juste ce qui est en dessous de nous, on l'a déjà fait. Du moins je crois. Par contre, effectivement, on continue à avancer par là, ça on l'a jamais fait. Est-ce qu'à un moment on va reconnaître l'endroit où on est arrivé la première fois ? C'est trop bien. J'imagine que oui, hein, de toute façon, hein. C'est vraiment tellement les pros du level design. Ah oui, ah ouais, pareil, genre hier je me suis rendu compte en jouant un peu là. Essayant de nettoyer un peu la zone de Malenia. En fait, genre, l'arène de Malenia, tu la vois très tôt, en fait, dans le... Enfin, très tôt. Tu peux la spot de loin, en fait, à un moment. Genre, à un moment, en fait, t'es vraiment au-dessus, quoi. Là, on a buté l'abomination, hein, en fait, ben, on est au-dessus de l'arène de Malenia. Et ça, où t'es en mode, putain, mais c'est des génies du level design, quoi. Oh, droit devant, what the fuck. Bon, ça au droit devant. On se dire ça là. Admirer message. En effet, j'admire.
au bourré là. Je peux avoir sur Ray? Ok, ok, ok. Let's go. Bam. Bien, je fonce, je sombre vite. Let's go. Suis-moi. Essayez bien. Ah ouais, essayez bien, mais... Ça, oui, bon, ça, le truc, bon. Ça valait le coup de niquer tout ce qu'on vient de faire juste pour une paire de fourches sombres 8, je suis pas sûr, quoi. Mais. Mais bon, on est quand même content de l'avoir, quoi. Bah, du coup. Retour à l'envoyeur, quoi. Putain, vas-y pour vraiment tout explorer cette zone là, je me sens obligé de passer par d'autres endroits. C'est labyrinthique. Wow, fuck. C'est labyrinthique cette histoire. En vrai, est-ce qu'on se sent obligé vraiment de. Est-ce qu'on peut pas juste voilà, sauter là? On se casse sur le Bezos quoi. C'est bon. Dire, on n'a pas le temps quoi. Notre esprit est ailleurs. Ok. Putain, genre, plus on grimpe, plus on fait des détours. C'est terrible, quoi. Genre, on était là, là, on est sans doute au bout du truc, mais bon. Comme le jeu nous propose des milliers d'autres chemins, on se sent obligé de les faire, quoi. On n'avait jamais tilté quoi. Genre attends, what the... Putain, j'avoue que j'ai pas regardé le décor de. On s'est tellement fait happer par le scénario que je n'ai pas. Ah ouais, putain mais c'est. Oh là là, mais. Oh mais ce jeu. Mais ce jeu, quoi. Donc, ok, ok, ok. Non, mais attends, tu quoi? On est à la fin du périple, là? Ah, voilà. Donc, en fait... Genre, là où on a allumé le feu... Allumé... Putain, je vais toujours pas chanter. Là où on a allumé le feu, c'est plus haut que Pharaon Mazou, là, quoi. En soi. En termes de hauteur pure. Après, c'est sur le plancher des vaches, mais ça reste quand même plus haut, quoi. Putain, j'ai l'impression de rater des trucs. Ah oui, le fameux haut droit devant, bien sûr. Admirer le message, on connaît. On connaît les vagues. Et là... Il fait ça. Ouf. Oh bordel. Mais ils sont sortis d'où? Pourquoi je me suis jamais alarmé en fait?
Bon, YouTube, on va s'arrêter là. Je crois que cette VOD risque d'être beaucoup trop longue. Sinon, en plus, on a fait une petite pause entre temps. Du coup, je sais pas si. Bref. On va s'arrêter là, YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD. Bien sûr, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Hein. C'est pas comme si on avait terminé. Des bisous, YouTube. Hein, et surtout. See you next time. Ah, ouais.